Bonjour Eric Fassin, Bonjour. merci d'avoir accepté cette invitation à cet entretien pour la chaire Yves Oltramar. Donc vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris 8, chercheur au laboratoire d'études de genre et de sexualité et aussi professeur invité à l'université de Genève. Donc en 2005, vous avez théorisé le concept de démocratie sexuelle. La démocratisation sexuelle, c'est le fait qu'il y a un processus par lequel les questions de genre et de sexualité sont de plus en plus politisées. Elles passent de la sphère privée à la sphère publique pour être mobilisées en fonction de valeurs de liberté ou d'égalité. Et est-ce que vous utilisez toujours ce concept aujourd'hui et a-t-il changé depuis 2005? Alors d'abord, vous avez raison de rappeler que c'est à un moment particulier, au milieu des années 2000, donc dans un contexte, parce que pour moi, il faut toujours essayer de penser les concepts par rapport à des contextes. Donc ce sont des outils qui ont une fonction historique, c'est-à-dire à un moment donné, dans un contexte donné. Le concept, cet outil, m'était venu dans un contexte qui était celui du Pax, d'abord, c'est-à-dire de batailles autour de la définition de l'ordre symbolique, de l'ordre sexuel, de l'ordre du genre et de la sexualité en France, où j'avais été très frappé par la virulence des réactions contre la possibilité de l'égalité des droits en matière familiale, en matière matrimoniale. Et ce qui me frappait, c'est qu'on avait le sentiment qu'on touchait là à quelque chose qui était de l'ordre du sacré. Donc j'ai été amené à réfléchir depuis lors à cette tension entre une logique du sacré et une logique de la démocratie. La logique du sacré, c'est de dire qu'il y a des choses qui nous échappent, qui ne relèvent pas de notre décision, qui sont en dehors de l'histoire et en dehors de la politique. En revanche, la logique démocratique, au sens où j'utilise ce terme, c'est de considérer que rien n'est donné d'avance, de manière transcendante, en fonction d'un principe qui serait au-dessus de nous, tel que Dieu, mais tel aussi que la tradition, ou la nature, ou pourquoi pas la science, et d'autres, mais des principes majuscules, qui sont au-dessus de nous, la loi majuscule. Eh bien, la logique démocratique nous dit non, non, c'est pas comme ça que ça marche. L'ordre social, c'est-à-dire à la fois les lois et les normes, c'est défini par nous. Donc, ça n'est pas transcendant, c'est immanent. Cette opposition entre une logique démocratique et une logique qu'on pourrait dire religieuse, mais qui ne s'arrête pas aux limites des religions, puisque ça peut être tout aussi bien la tradition que la science, que la nature, eh bien, cette opposition, pour moi, elle continue d'être opératoire. Alors, ce qui était pour moi important à l'époque, c'était bien de penser ça comme un outil, c'est-à-dire de penser qu'au fond, ce qui venait de se passer à propos du Pax, eh bien, ça pouvait ouvrir sur d'autres questions, puisque, au fond, c'est autour des questions sexuelles que se joue aujourd'hui de manière privilégiée la question démocratique. Les questions sexuelles, ça peut être aussi bien aujourd'hui celle des violences envers les femmes. Ça n'est pas nouveau, bien sûr, mais le fait que ça devienne un sujet international et pas simplement une sorte de problème qui concerne spécifiquement les femmes, mais un enjeu de société qui n'est pas propre à une société ou à une autre, mais qui traverse tout le monde dans lequel nous vivons, eh bien c'est une des manifestations de cette logique démocratique. Cette logique démocratique qui dit, eh bien, c'est à nous de définir le monde dans lequel nous vivons, donc est-ce que nous acceptons un monde où les violences envers les femmes sont normales? Donc l'enjeu, c'est la norme. L'enjeu, c'est est-ce que les normes sont immuables en dehors de l'histoire, en dehors de la politique, ou bien est-ce qu'elles sont prises dans l'histoire et dans la politique? La bataille autour de toutes ces questions, c'est à chaque fois, à mon sens, une bataille autour de l'extension de la logique démocratique aux questions sexuelles. Alors ça veut dire que les questions sexuelles sont un objet privilégié dans ces batailles démocratiques, alors que pendant très longtemps, la démocratie, depuis le XVIIIe siècle, a été fondée au contraire
sur l'exclusion des questions sexuelles, en considérant que c'était privé. La démocratie libérale organise un partage entre le public et le privé, et le public, eh bien, c'est des questions sérieuses, des questions d'hommes, alors que le privé, c'est des questions de femmes, y compris non seulement la question du genre, mais la question de la sexualité. D'où le fait que, eh bien, les violences envers les femmes, ça relève plutôt de la sphère privée et non pas de l'intervention politique dans cette conception de la démocratie libérale. Ce qui se passe avec l'extension de la logique démocratique aux questions sexuelles, c'est qu'on dit que finalement, il n'y a rien qui échappe à la logique démocratique. Que potentiellement, c'est pas simplement le fait qu'on va discuter avec de l'histoire et de la politique autour de la politique d'immigration, ou bien de la politique économique, ou de la politique éducative, mais que la politique sexuelle, eh bien, c'est aussi quelque chose qui fait partie d'une logique démocratique, qui est pris dans une logique démocratique. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important, parce que ça n'est pas simplement que les questions sexuelles sont aussi des enjeux démocratiques, c'est qu'elles sont devenues des enjeux démocratiques par excellence, parce que ça pose la question de savoir, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que, lorsqu'on accepte l'idée que c'est nous qui définissons le monde, qui définissons les lois, qui définissons les normes, est-ce qu'on accepte l'idée que, ben, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, il n'y a pas de raison qu'il y ait une frontière, potentiellement tout peut devenir objet de discussion, de contestation, de remise en cause et donc de changement. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, ça passe aujourd'hui par le corps, parce que le corps, à travers le genre et la sexualité, est devenu en quelque sorte le dernier refuge en dehors de l'histoire et en dehors de la politique. On peut se dire tout est historique et tout est politique, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes, regardez leur corps, regardez ce qu'ils ont entre les jambes. C'est ça qu'on nous dit d'habitude. On nous dit, il ne faut quand même pas qu'on fasse entrer la politique dans le corps. Ou, dans une autre formulation, il ne faut quand même pas qu'on fasse entrer la politique dans l'intimité. Les rapports amoureux doivent échapper à la logique démocratique. Les rapports amoureux, c'est en dehors de la liberté et de l'égalité. C'est juste ce que je suis, moi, et non pas la société. C'est soit l'intimité de l'individu, soit l'intimité du corps. Dans les deux cas, il s'agit de dire, on n'est pas dans un domaine social, on est dans un domaine naturel. La nature, dans ce sens-là, c'est précisément de la non-histoire, de la non-politique. Ça n'a pas un contenu très précis, sinon le fait que c'est en dehors de l'histoire et de la politique. Donc c'est un contenu purement négatif. Cette définition de la démocratie sexuelle, elle a pour moi toujours une valeur, mais d'emblée, elle a été prise dans un contexte qui n'était pas seulement celui à partir duquel j'avais pensé, c'est-à-dire la remise en cause des normes, de l'ordre symbolique, et l'extension de la logique démocratique à des domaines nouveaux, mais aussi, au milieu des années 2000, on voit apparaître, en France mais dans beaucoup de pays, en Europe et ailleurs, une instrumentalisation de la logique de démocratie sexuelle à des fins xénophobes et racistes. Au lieu de dire « êtes-vous pour ou contre la démocratie sexuelle ?» en substance, on dit « il y a des gens qui, par leur culture, sont étrangers à cette démocratie sexuelle qui caractériserait notre identité nationale ou notre identité occidentale. » Autrement dit, je me suis retrouvé pris dans une sorte de contradiction qui, à mon sens, pouvait être productive. C'est le fait que, d'un côté, j'avais essayé de forger ce concept à des fins critiques, c'est-à-dire pour essayer de penser le fait que l'ordre des choses n'est pas donné une fois pour toutes et qu'il est toujours déjà historique et politique. Mais d'un autre côté, j'étais bien obligé de constater que ça pouvait se prêter à une lecture qui était une lecture progressiste, selon laquelle il y avait des gens modernes et des gens archaïques, et que c'était utilisé à des fins qui étaient problématiques pour moi, puisqu'elles visaient à tracer des frontières entre eux et nous. Eux qui seraient plutôt sexistes et plutôt homophobes,
Et nous qui, par contraste, serions en quelque sorte l'incarnation même du féminisme, l'incarnation même, sinon de l'égalité des droits avec les homosexuels, mais du moins d'une sorte de posture gay-friendly. Donc, ce qui me frappait, c'était la complexité qu'il pouvait y avoir à utiliser ce concept critique dans un contexte où il y avait des instrumentalisations normatives qui visaient à dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, afin de tracer des frontières. Donc ça, pour moi, c'est un deuxième contexte, après celui du Pax, le contexte de ce qu'on a pu appeler homonationalisme ou fémonationalisme, ou ce qu'avec d'autres nous avions appelé les nationalismes sexuels ou les nouveaux nationalismes sexuels, c'est-à-dire enrôler la démocratie sexuelle dans un nouveau nationalisme qui trace des frontières entre le camp de la démocratie sexuelle, nous, et le camp des ennemis de la démocratie sexuelle, eux. Donc, à chaque étape, je crois que pour ce concept, comme pour tous les concepts, y compris pour le concept de genre, on doit penser en fonction des contextes. Non pas en faisant abstraction pour être en quelque sorte au-dessus, mais au contraire pour être dedans. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'homologie entre ce que j'essaie d'analyser, l'immanence de la démocratie sexuelle, et les outils avec lesquels j'essaie d'analyser, en l'occurrence la démocratie sexuelle, qui fonctionnent aussi de manière immanente. Parler de démocratie sexuelle, ça n'est pas être en dehors du monde, c'est être dedans. Ce qui n'est pas un hasard, puisque ma réflexion n'est pas purement théorique, elle était toujours déjà politique. C'est-à-dire, c'est en fonction, pas simplement d'une réflexion académique, mais aussi d'un engagement politique que j'ai été amené à développer ce concept. Alors, pour rebondir sur cette notion de perversion du concept ou dans une démarche de nationalisme sexuel, vous avez parlé dans un article de cette justification de l'intervention américaine en Afghanistan au nom de la démocratie, sans donner suite finalement à cette suite de promesses quand dans d'autres contextes ce type de décalage se produisait. Est-ce qu'on a là affaire à une simple hypocrisie finalement de parler d'un certain... certaines notions de la démocratie sexuelle dans un contexte domestique et puis avoir d'autres standards à l'international, ou est-ce qu'on est vraiment dans un jeu politique qui ne serait pas sans rappeler ce que Michel Ferre avait notamment montré, une sorte d'impuissance par design, pour reprendre le titre de son ouvrage au début des années 2000, où finalement on s'accommode assez bien d'une certaine forme de conception d'un idiot utile ou de représentation du mal en termes sexuels par rapport à notre vision progressiste, comme vous l'avez énoncé, de la démocratie ici. Je pense qu'il y a deux choses. D'une part, à mon sens, on parle d'une rhétorique. La rhétorique, par exemple, du conflit sexuel des civilisations. L'idée que ce qui nous oppose à eux et ce qui fait que eux ne veulent pas de nous et que donc nous ne voulons pas d'eux, eh bien, c'est cette différence de conception du monde en matière d'égalité, de liberté sexuelle. C'est une rhétorique. C'est une rhétorique à certains égards vide dans la mesure où elle ne conduit pas forcément à un féminisme ou à une égalité des droits. Que ce soit en matière de genre ou de sexualité, de la part des personnes qui défendent cette vision du monde. On le voit, par exemple, dans le fait que quand on a eu en France tout un discours sur l'identité nationale, l'idée que, avec Nicolas Sarkozy, la grande différence entre eux et nous, c'est que chez nous, les femmes sont libres, ça amenait certes à mettre en avant Simone Veil, comme porte-parole de Nicolas Sarkozy en 2007, au moment même où on pouvait en quelque sorte reposer la question de l'avortement en France, en considérant qu'elle en était en quelque sorte l'incarnation d'un droit à l'avortement. Mais ça n'empêchait pas, quelques mois plus tard, un rapprochement avec le Vatican et la définition d'une laïcité positive. Et donc, ça n'empêchait pas une vision
très conservatrices de l'ordre sexuel de revenir sur le devant de la scène. Donc, de ce point de vue-là, on est purement dans une rhétorique, c'est-à-dire des mots, des discours, qui ne constituent pas forcément la réalité. Mais d'un autre côté, on est en même temps dans une logique de gouvernementalité qui contribue à produire des sujets politiques. Et ces sujets politiques, eh bien, ils vont être effectivement constitués autour de l'opposition entre eux et nous. Autrement dit, invoquer la démocratie sexuelle ne change peut-être pas grand-chose en termes de démocratie sexuelle, mais ça a des effets bien réels sur la définition des identités « eux, nous ». En particulier, ça se traduit par des politiques en matière d'immigration. Et des critères en matière d'immigration, pas seulement en France, aux Pays-Bas, ça a été très clair, mais il y en a eu également en Allemagne, dans beaucoup de pays, l'idée qu'il devait y avoir des critères pour laisser entrer des gens. Et on le voit encore aujourd'hui, on a Marlène Schiappa en France, qui a été chargée de l'égalité entre les sexes et qui est maintenant chargée de la citoyenneté et qui essaie de faire le lien entre les deux en annonçant que la polygamie de fait, eh bien, elle va interdire de venir en France pour des Africains, mais aussi qu'elle va justifier l'expulsion d'Africains qui sont déjà en France. Donc, on voit bien, là, que ça a des effets bien réels, non seulement parce que ça affecte directement, en l'occurrence, ces personnes africaines, mais aussi parce que ça constitue quelque chose comme un « nous ». Nous, on n'est pas comme ça. Et peu importe si la polygamie de fait peut très bien correspondre à des situations qui existent aussi pour des personnes qui ont la citoyenneté française, blanche ou pas. Donc, je crois qu'on a intérêt à penser les deux à la fois. Cette rhétorique vide, mais en même temps, cette rationalité politique qui produit des sujets. Et je crois que nous vivons avec ça. Prenons un autre exemple, dans le cas de la France, mais il n'y a pas seulement le cas français, tout ce qui se joue autour du harcèlement de rue. Je fais partie des gens, ce sont plutôt d'ailleurs des jeunes chercheuses qui étaient à l'initiative, je fais partie des gens qui ont signé une pétition mettant en garde contre la constitution d'un délit spécifique qui serait celui du harcèlement de rue. Pourquoi ? Non pas pour dire il faudrait épargner ces jeunes qui, dans la rue, agressent les femmes, mais simplement parce que constituer le harcèlement de rue comme un délit spécifique, eh bien, c'est parler des gens qui sont dans la rue. Et c'est parler des violences qui existent dans la rue. Je trouverais, par exemple, beaucoup plus utile de parler de harcèlement public. C'est-à-dire, si on voulait dire « il n'y a pas que le harcèlement au travail », on pourrait dire « il y a le harcèlement dans l'espace public ». Mais l'espace public, ce n'est pas seulement la rue. C'est, par exemple, toutes ces agressions sexuelles qui ont lieu en direct à la télévision, où on voit dans un certain nombre d'émissions très populaires des femmes qui sont harcelées par le langage et parfois par des gestes qui ne respectent pas leur liberté et qui ne sont pas elles-mêmes en position de protester puisqu'elles sont à la télé et puisque très souvent elles sont embauchées, c'est-à-dire qu'on est dans une relation de travail, mais c'est le fait que ce soit public qui leur rend très difficile de se défendre. Mais ça pourrait être vrai aussi à l'Assemblée nationale. Lorsque on voit que des députés peuvent insulter des femmes qui prennent la parole sur leurs vêtements ou sur tout autre aspect de leur personne ou de leur personnalité, avec un sexisme très explicite, eh bien, on est là dans un harcèlement public. Or, à mon sens, il y a là quelque chose d'important qui avait déjà commencé au début des années 2000 autour de ce qu'on a appelé les tournantes. Les tournantes, ce sont ces viols en réunion, pour utiliser le terme du droit, mais donc des viols collectifs. Simplement, quand on dit des tournantes, ça ressemble à une sorte d'argot de banlieue. Faire tourner les meufs, c'était le titre d'un article d'une ethnologue, Christelle Hamel, qui avait travaillé sur ces questions. Donc, comme faire tourner des joints, eh bien, faire tourner des femmes. Je crois que ce qui est frappant, c'est que déjà à l'époque, on voyait bien qu'on était tout à fait prêt à parler des violences
lorsqu'elle concerne les autres, mais qu'on ne voulait pas parler des violences lorsqu'elles concernent les nôtres. En particulier, au même moment, on avait la tentative d'avoir une discussion sur le harcèlement sexuel à l'université. Et ça, eh bien, ça a été impossible. Autant tout le monde était ravi qu'on dénonce le sexisme des jeunes de banlieue, autant l'idée que les professeurs d'université, eh bien, n'étaient pas en dehors de ces rapports de pouvoir, que, après tout, il n'y avait pas une différence de nature absolue entre les uns et les autres, eh bien ça a été refusé avec virulence, et en particulier c'est l'enquête ENVEF, l'enquête sur les violences envers les femmes, qui a été l'objet d'attaques, en particulier d'un petit essai d'Elisabeth Badinter, Fausse route, qui s'en prenait à l'idée qu'on puisse dire qu'il y a partout, dans toutes les classes sociales, des violences, alors qu'en fait, pour elle, c'est évident que c'est les autres, c'est pas les nôtres. Elle n'était pas la seule, il y avait aussi un article qui avait été publié, en plus dans Les Temps modernes, la revue à laquelle est associé le nom de Simone de Beauvoir, par Marcela Yacoub et Hervé Le Bras, qui dénonçait par avance cette enquête qui allait paraître et qui montrait qu'il y a une transversalité des violences envers les femmes, que ça n'est pas le monopole d'une classe ou d'une autre, que, en fait, le genre, c'est-à-dire la domination sexuelle, ça traverse notre société tout entière. On le voit encore avec la question de ce qu'on appelle la culture du viol. En fait, lorsque on a eu les agressions sexuelles multiples à Cologne pour le réveillon 2015-2016, eh bien, tout le monde était prêt à entendre qu'il se passait là quelque chose de terrible, à condition de se dire que c'était une exception. C'est-à-dire que c'était dû à la culture arabo-musulmane. On a eu un texte de Kamel Daoud qui plaidait dans ce sens et qui a été publié dans Le Monde, dans Le Temps, je crois, en Suisse, dans le New York Times, en Italie, partout. L'idée que c'est lié à la culture, à une culture spécifique, à une culture étrangère, ça, tout le monde était prêt à l'accepter. Ce que certaines féministes ont dit, y compris en Allemagne, c'est que, après tout, il pouvait y avoir un peu la même chose pour des fêtes de la bière, et que ça n'était pas propre à une culture arabo-musulmane, la culture du viol, elle traverse la société. Tous ces exemples, pour moi, visent à montrer comment il y a une bataille pour savoir si on dit que la démocratie sexuelle, c'est quelque chose qu'on doit penser pour tout le monde, ou bien qu'on doit penser contre certains et certaines. Et ça, c'est un enjeu politique, mais un enjeu politique qui a des effets structurants sur la société, sur la manière dont on se représente le monde. Est-ce qu'on est en train de dire, et je crois que ce qui s'est joué autour de MeToo est de ce point de vue très intéressant, que c'est pas simplement les jeunes de banlieue, ou c'est pas simplement les migrants. Ça peut être aussi les jeunes de banlieue, ça peut être aussi les migrants. Mais ça peut être aussi des grands pontes de Hollywood. Ça, ça change complètement les choses. Ça peut être des grands acteurs connus. Ça, ça change les choses. Et je crois que cette bataille-là, c'est une bataille rhétorique, mais qui a des effets structurants sur la conception de ça veut dire quoi, nous ? Est-ce que nous, c'est un nous qui est fondé sur ce partage entre eux et nous ? Ou bien, est-ce que c'est un nous de tout le monde ? Et je crois que la question du genre, de ce point de vue, et la question sexuelle en général, si on considère que c'est une question démocratique, eh bien, c'est effectivement la question d'un nous, mais d'un nous étendu. Non pas d'un nous avec des frontières, mais de nous toutes et nous tous. Pour continuer avec la démocratie sexuelle, quand vous parlez de ce processus de formation de normes, vous insistez sur la compénétration des valeurs d'identité et des valeurs économiques. On reste pas moins que dans certains contextes, la distinction elle peut être très souvent mobilisée pour faire des sortes de jeux d'équilibre. Sylvie Tissot a notamment montré qu'avec la gay friendliness, pardon, aux États-Unis, on avait une reconnaissance qui était juridique sans pour autant renoncer à une certaine condamnation morale, alors qu'en France, on avait d'autres type de jeu d'équilibre. On peut penser également à cette formule très en vogue aux États-Unis de « socially liberal yet fiscally conservative » qui semble racheter par un qualificatif ce que l'autre peut avoir de désobligeant ou
ou donner un peu de consistance à ce que l'autre peut avoir de frivole. Comment est-ce que vous analysez ces différents équilibres dans les contextes tels que les États-Unis et la France? Si on revient à mon point de départ, qui est que tout dépend des contextes, on pourrait y adjoindre une deuxième proposition, qui est que les mêmes logiques peuvent servir à des fins très différentes. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je crois qu'on a toujours intérêt à penser en termes historiques, c'est-à-dire non pas à se dire que par nature la démocratie sexuelle c'est ceci ou cela, mais d'essayer de voir des articulations avec d'autres logiques. Donc je me suis longtemps intéressé, et ça continue d'être le cas, à l'articulation avec la question raciale et avec les questions de classe. Donc c'est toute la discussion nous-eux. Mais je crois aujourd'hui qu'il est utile d'essayer de réfléchir précisément à ces articulations entre les questions sexuelles et les questions économiques. Ça ne veut pas dire qu'il y ait de lien nécessaire. Je crois que de même que la logique néolibérale peut être xénophobe ou au contraire très ouverte, très cosmopolite, selon les contextes, de même, elle peut faire alliance avec une vision de la démocratie sexuelle critique, c'est-à-dire l'extension des droits, ou bien elle peut être dans une instrumentalisation type conflit des civilisations, ou bien encore elle peut faire alliance avec les mobilisations anti-genre, les campagnes y compris religieuses contre la théorie du genre ou l'idéologie du genre. Bref, toutes les configurations sont possibles. Ce qui veut dire que, à mon sens, le travail à faire, ça n'est pas de postuler qu'au fond, il y aurait un lien nécessaire entre telle position en matière économique et telle position en matière sexuelle, mais plutôt de voir comment c'est une sorte de kaléidoscope. C'est une image que j'avais utilisée. Le kaléidoscope du genre, pour moi, c'est le fait que, si on reprend la définition que j'invoque toujours, comme beaucoup d'autres, de John Scott, qui, en 1986, dans un article très important sur le genre, une catégorie utile pour l'histoire, dit « Le genre, c'est pas simplement une manière d'organiser les différences perçues entre les hommes et les femmes, c'est aussi une manière privilégiée de signifier les relations de pouvoir. » Cette définition accompagne tout mon travail, comme je crois, elle accompagne de fait le travail de beaucoup de gens qui travaillent dans ce champ d'études. Parce que ce que ça nous dit, c'est que quand on parle de genre, on n'est pas juste en train de parler des hommes et des femmes, on est en train de parler de tout le reste aussi. En fait, en parlant de genre, on parle de classe, on parle de race, on parle de nation, on parle de religion, etc., etc. On parle de relations de pouvoir. À partir de là, je crois qu'on a quelque chose qui peut être intéressant, c'est que ça ne veut pas dire que cette manière de signifier, c'est un langage figé. C'est un langage qui est constamment réutilisé. Il y a tout un travail social constant, qui est aussi un travail politique, pour faire basculer d'un côté ou de l'autre. Pour faire que sur les questions économiques, eh bien, on puisse se dire que soit dans un certain cas, on va dire finalement les questions sexuelles, ça n'a rien à voir avec l'économie, soit au contraire, on va insister sur le fait que c'est la même chose, soit on va réfléchir à des articulations plus complexes. C'est par exemple ce que propose la sociologue Viviana Zelizer, qui dit « ces transactions intimes, elles ne peuvent pas se réduire ni au fait que l'intimité et l'économie sont étrangères l'une à l'autre, ni à l'opposé, à l'idée qu'on pourrait réduire l'une à l'autre ». On est toujours dans un jeu de cette nature, et c'est la raison pour laquelle on doit faire un travail historique, ça bouge, c'est des reconfigurations permanentes, et c'est l'image que j'utilise du kaléidoscope. Un kaléidoscope, c'est on prend les mêmes morceaux et ça fait des images constamment différentes. Donc tenir ces différents bouts, de la classe, de la race, de la religion, de la nation, de l'économie, du genre, de la sexualité, etc., voir comment c'est réagencé, à la fois à des moments différents, mais aussi au même moment, par des groupes qui ne veulent pas dire la même chose, qui ne sont pas d'accord, qui s'opposent, eh bien c'est ça, à mon sens, le travail que j'essaie de faire, mais que nous pouvons essayer de faire collectivement, c'est-à-dire
comprendre ce jeu permanent pour recomposer à partir des mêmes éléments. Et c'est ce qui fait qu'on a l'impression que finalement c'est toujours un peu la même chose. Mais ça n'est jamais tout à fait la même chose parce que la recomposition, ça crée une image nouvelle. Donc le kaléidoscope du genre, pour moi, il s'applique aussi à l'articulation entre les questions sexuelles et les questions économiques. Il me semble que dans cette démocratisation sexuelle, on voit un impératif de la relation familiale et monogame qui serait finalement au croisement de ces valeurs chrétiennes et de ces valeurs néolibérales dont vous avez parlé. C'est-à-dire qu'à la fois il s'agit d'une valeur chrétienne, mais qui est également le prémisse à une stabilité qui est importante dans un système néolibéral. Et je me demandais quelle est la place des instances religieuses, notamment de l'Église, donc, dans cette démocratisation sexuelle et dans ce kaléidoscope du genre. Bah d'abord, dans la continuité de ce que je disais avant, j'insisterai sur le fait qu'il n'y a pas un sens inhérent aux choses. Tout est contexte. En particulier, ça veut dire que, pour prendre l'exemple de la revendication de l'égalité des droits, qui s'est traduite en partie par celle de l'ouverture du mariage et de l'adoption et de la PMA aux couples de même sexe. Il est clair qu'il y a simultanément deux logiques. D'une part, une logique critique, remise en cause des normes. D'autre part, une logique normative, la création d'une nouvelle norme. Une nouvelle norme qui peut être une norme conjugale. C'est la critique qui a été formulée, en particulier au début des années 90 aux États-Unis, dans le débat intra-communautaire, la critique de ce qu'on peut appeler l'homonormativité. Donc l'idée qu'au fond, on est en train de transférer des normes qui étaient celles de l'hétérosexualité à l'homosexualité. Je pense que effectivement, on doit se déprendre de l'idée que avant il y avait des normes, maintenant il n'y en a plus. Autrement dit, que la démocratie sexuelle ce serait la fin des normes. C'est un déplacement des normes, c'est des reformulations des normes. Par exemple, il est très clair que loin que disparaissent toutes les normes, on a vu un renforcement des normes en matière de ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt pédocriminalité. Le fait que soient devenus collectivement insupportables les abus sexuels sur les enfants, qui étaient jusqu'alors assez bien tolérés, ça montre l'importance d'une norme qui suppose précisément des sujets consentants. De même, en matière de viol, à l'encontre des femmes, le plus souvent, on voit qu'il y a une moindre tolérance par rapport à cette violence aujourd'hui qu'hier. Autrement dit, c'est le renforcement d'une norme du consentement. Donc, je ne crois pas, d'abord, qu'on puisse penser la démocratie sexuelle comme sortir des normes pour être enfin des individus libres. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est changer les normes en fonction de logiques qui vont être explicitées en termes de liberté, en termes d'égalité. Mais bien sûr, le risque, c'est que ces normes qui aident disons, certaines personnes à vivre, empêchent d'autres de vivre. Autrement dit que, par exemple, la reconnaissance du couple homosexuel est pour effet que si on est homosexuel et qu'on n'est pas en couple, eh bien c'est un problème. Ou bien, si on pense au couple homosexuel, en fait, il s'agit des couples de même sexe, autrement dit, on passe très facilement des couples de même sexe aux couples homosexuels, et des couples homosexuels aux couples d'homosexuels. Autrement dit, il y aurait deux catégories de gens, les homosexuels d'un côté, les hétérosexuels de l'autre, et les autres, tant pis pour eux, ou pour elles. Donc, il y a toujours un envers normatif à la critique des normes, toujours. Ça n'est pas accidentel. La question, c'est justement de penser, à mon sens, non seulement sociologiquement, mais aussi politiquement, la démocratie sexuelle comme un processus sans fin. C'est-à-dire la remise en cause de ceci aujourd'hui ouvre la possibilité de la remise en cause de cela demain, y compris
Je pense que on peut plus facilement faire la critique du mariage ouvert aux couples de même sexe à partir du moment où il est ouvert aux couples de même sexe. De manière générale, je pense que on peut s'appuyer sur des droits qui viennent d'être ouverts pour critiquer non seulement d'autres droits qui ne le sont pas encore, mais même les effets normatifs de cette nouvelle ouverture. Donc je crois que c'est un travail sans fin, un travail critique sans fin, dont je n'ai pas, dont nous n'avons pas tous les termes. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des questions qui ne se posaient pas, mais qui ont été rendues pensables, possibles, dans ce contexte-là. Je vais prendre l'exemple de la question intersexe. La question intersexe a une nouvelle visibilité qui est en train de prendre forme. Pourquoi ? Eh bien, parce que la catégorie de sexe est devenue problématique. À quoi sert le sexe comme catégorie d'État ? Historiquement, on savait bien, ça servait à fonder le mariage. Une fois que le mariage est ouvert, en principe, indifféremment aux personnes de même sexe ou de sexe différent, est-ce qu'il est important de savoir si elles sont de même sexe ou de sexe différent ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est important de savoir leur sexe ? C'est pas sûr. Et bien sûr, cela vaut aussi pour les personnes trans. C'est-à-dire, est-ce que l'État a besoin de la catégorie de sexe ? Ou du moins, est-ce que l'État a besoin que ce soit une catégorie fondamentale, une catégorie de l'État civil, une catégorie qui figure sur nos documents, sur nos papiers d'identité, sur nos passeports, etc. Est-ce que l'État en a vraiment besoin ? On voit par exemple qu'en France, on refuse absolument d'avoir une catégorie d'État en matière raciale. Autrement dit, il ne suffit pas qu'il y ait des différences visibles pour que l'État choisisse de les prendre en charge. C'est un choix politique. Donc je crois qu'aujourd'hui, on commence à entrevoir comment l'ouverture du mariage aux couples de même sexe peut avoir des effets non pas seulement normatifs, ce sont des homosexuels, ce sont des hétérosexuels, les homosexuels sont des gens qui peuvent se marier avec une personne du même sexe et les hétérosexuels avec quelqu'un de l'autre sexe. Il y a ces effets normatifs, mais il y a aussi d'autres effets de remise en cause des normes. Je pense que ce qui se joue autour de la question intersexe et de la question trans fait partie de cette remise en cause. Alors la religion, eh bien, mon point de départ, je le rappelais tout à l'heure, c'était le fait que le sacré, ce n'est pas seulement la religion. Toutefois, si je parle de sacré, c'est bien que la religion a quand même un rapport avec tout ça. Et on l'a bien vu, puisque le Vatican a joué un rôle moteur dans les mobilisations contre le genre. Dès le milieu des années 1990, on voit à la conférence de Pékin de l'ONU sur les femmes, on voit le Vatican, y compris avec des alliances avec des États musulmans, faire campagne contre le concept de genre. Et depuis lors, on voit le Vatican s'employer à théoriser son refus de la théorie du genre. Ça, c'est l'usage français. À l'étranger, on parle plus volontiers d'idéologie du genre. Alors pourquoi ? Pourquoi le Vatican, mais pourquoi les religions parlent-elles autant de sexe ? On peut se dire que c'est pour des raisons éternelles, etc. Moi, je m'attacherais plutôt aux raisons conjoncturelles, c'est-à-dire au moment historique que nous sommes en train de vivre. Si on accepte ma prémisse sur la démocratie sexuelle, eh bien, on comprend l'enjeu pour les institutions religieuses. Les institutions religieuses voient bien que la démocratie sexuelle nous dit, au fond, il n'y a aucun principe transcendant au fondement de l'ordre social. Ça ne veut pas dire Dieu n'existe pas, mais ça veut dire l'ordre social n'est pas fondé sur Dieu. Il n'y a pas des gens qui vont pouvoir dire il y a des choses qui échappent à la démocratie. C'est ce qui s'est passé en France dans toute cette bataille, c'est qu'il y avait des gens qui, parfois au nom de la religion, parfois au nom de la psychanalyse ou de l'anthropologie, nous disaient il y a des choses au-dessus de nous. Il y a la loi majuscule. Ce que, je crois, la logique de la démocratie sexuelle dit, c'est qu'il n'y a de loi que minuscule. Autrement dit, l'ordre social est constamment négociable. C'est nous. Bien entendu, quand on dit nous, aussitôt se pose la question de savoir qui est nous, qui est-ce qu'on a oublié, qui a-t-on oublié d'écouter, qui empêche-t-on de parler ? Et donc, il y a une bataille permanente pour savoir si on peut élargir ce « nous » ou au contraire le réduire.
Donc, il ne s'agit pas de présupposer un nous. En fait, le nous est aussi l'enjeu de la bataille démocratique. C'est qui ? C'est quoi les frontières ? C'est quoi les limites ? Est-ce qu'on peut ouvrir ou est-ce qu'on doit fermer ? Ces batailles-là constantes sur la démocratie, elles touchent aussi à la religion. Parce que, au fond, si tout le monde peut contribuer à définir le monde, eh bien, il n'y a plus de privilège qui serait fondé sur une vérité transcendante, toujours déjà donnée. Et donc, ça n'est pas un hasard si les religions se mobilisent pour cet ordre sexuel traditionnel, c'est-à-dire non démocratique, c'est-à-dire soustrait à l'histoire et à la politique. J'ajoute qu'il n'y a pas que ces raisons. Dans le cas de l'Église catholique, on voit bien que l'ordre sexuel n'est pas seulement un problème qui concerne le monde, c'est un problème qui concerne l'Église elle-même, c'est-à-dire c'est une institution masculine. Ce qui n'est pas rien. Deuxièmement, c'est une institution fondée sur le célibat des prêtres. Donc, la question de savoir ce qu'il en est de l'ordre sexuel, c'est fondamental, parce que dans un monde de démocratie sexuelle, l'organisation sociale de l'Église est très problématique. On le voit par exemple, moi je m'étais beaucoup intéressé à une exception dans le cadre français, où on nous parle tout le temps de la laïcité. Oui, mais quand même, l'Alsace-Moselle n'est pas soumise à ce régime de laïcité. Autrement dit, en France, eh bien, on rémunère des prêtres. Or, l'Église catholique est une institution qui pratique la discrimination. La discrimination a un double titre, elle exclut les femmes, et aussi, depuis 2005, elle exclut les personnes dont l'orientation homosexuelle serait forte. Donc, il y a une discrimination revendiquée par l'Église catholique pour des gens qui vont occuper des fonctions rémunérées par l'État. On voit bien là la contradiction, c'est-à-dire on touche du doigt le fait que ce sont deux logiques complètement différentes qui coexistent. L'Église catholique incarne un refus radical de la démocratie sexuelle. La question c'est, est-ce que c'est légal ? Bien entendu, pour que cette discrimination soit dénoncée, il faudrait qu'il y ait des gens qui le fassent. Donc là, ça devient un enjeu politique. Mais on peut très bien imaginer que des séminaristes qui se font exclure du séminaire en raison de leur orientation sexuelle, alors que pourtant ils s'apprêtaient à respecter le célibat imposé par l'Église, eh bien, peut-être qu'un jour, ils porteront plainte contre l'Église catholique. Ça n'est pas encore le cas pour l'instant. Pour ma part, je serais très curieux de voir comment ça se passera. Parce qu'au fond, ça pose une question, c'est est-ce qu'il y a dans notre société des moyens de se soustraire complètement à cette logique de démocratie sexuelle. Admettons qu'une autre religion dise « je ne prends que des blancs ». On se dirait peut-être qu'en tout cas, il ne serait pas souhaitable que cette religion soit subventionnée par l'État, comme c'est le cas en France aujourd'hui. Donc je crois qu'il est intéressant de réfléchir au fait que le problème qui se pose, c'est d'une part, est-ce que la religion peut prétendre définir des principes transcendants qui fondent l'ordre social, mais en retour, est-ce que la religion échappe aux règles sociales ordinaires ? Autrement dit, est-ce que les institutions religieuses sont des institutions sacrées du point de vue de la société et pas simplement de leur propre point de vue ? Est-ce que nous sacralisons l'Église catholique en l'occurrence ? C'est bien possible. En tout cas, il me semble que c'est le sens de la laïcité positive revendiquée par Nicolas Sarkozy et qui, à mon sens, continue de fonctionner aujourd'hui, c'est-à-dire, en particulier, bien sûr, par contraste avec l'islam. On voit aujourd'hui que dans la loi sur le séparatisme et l'idée qu'il va falloir contrôler davantage les écoles hors contrat, c'est-à-dire tout ce qui échappe au contrôle de l'État, le ministre de l'Intérieur, qui est aussi ministre des Cultes, a tenu à dire « ne vous inquiétez pas, ça n'affectera pas les catholiques ». Et tout le monde sait bien qu'on est juste en train de parler des musulmans. On voit là, me semble-t-il, comment, à côté de cette logique de transcendance revendiquée par les religions, il y a aussi une logique qui est tout à fait immanente, qui est celle des politiques, qui est de séparer « nous » et « eux ». Et dans ce « nous », il y a les catholiques, et dans ce « eux », il y a les musulmans. En choisissant le titre de cet entretien, on a décidé de parler de liberté comme thème
comme terme assez large, qui va au-delà des droits fondamentaux et qui engloberait donc la liberté religieuse, mais également la liberté de relation ou sexuelle. Et on voulait mettre l'accent sur le fait que non seulement la liberté des uns s'arrête là où elle commence celle des autres, mais ces libertés sont également mises en tension les unes contre les autres, et que cela peut également procéder peut-être d'une instrumentalisation. Est-ce que vous mobilisez ce concept de liberté ? Alors j'ai publié un livre d'entretien qui s'appelait « Liberté, égalité, sexualité », au pluriel, les sexualités. Donc manifestement, je parle parfois de liberté, c'était en 2003, il y a longtemps. Et en fait, ça pose une question pour moi qui est le fait que j'ai deux usages qui sont restés pendant très longtemps séparés du mot « démocratie ». Il y a celui dont on a parlé depuis tout à l'heure, qui est la démocratie sexuelle. Et dans le cadre de la démocratie sexuelle, je suis amené à parler de liberté et d'égalité. Alors j'en parle d'une manière un peu particulière, puisque je suis attentif à ne pas ériger la liberté et l'égalité en valeurs transcendantes, puisqu'il s'agit de penser dans la logique de la démocratie, c'est-à-dire de penser des valeurs immanentes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la liberté ou l'égalité n'ont pas une définition a priori, elles n'ont pas une définition transcendante, ce ne sont pas des principes qui existeraient dans le ciel des idées et qui se déploieraient ensuite dans la réalité sociale. En fait, il y a une bataille permanente pour savoir ce que veut dire la liberté. Je prendrai l'exemple du travail sexuel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Les batailles, y compris au sein du féminisme, autour du travail sexuel ou prostitution, selon le vocabulaire qu'on choisit, eh bien, ce sont des batailles sur la définition même de la liberté. Dans un cas, on va dire, une femme qui se prostitue ne peut pas être libre de le faire, elle est forcément aliénée. Dans l'autre cas, on va dire, les travailleuses et travailleurs du sexe doivent avoir la liberté d'exercer leur activité. Dans les deux cas, on parle de liberté. Donc, en fait, on s'aperçoit que la liberté n'est pas un principe transcendant, c'est l'enjeu même de la bataille. Pas seulement pour ou contre la liberté, mais c'est quoi la liberté ? Dans quel cas est-on libre de faire ceci ou cela ? C'est bien sûr la même discussion sur un autre terrain qui est celui du voile. Les personnes qui s'opposent au voile dans une logique féministe le font au nom de la liberté. Les personnes qui défendent le voile, y compris dans une logique féministe, le font également au nom de la liberté. D'ailleurs, ça peut être aussi la même chose avec le mot « égalité ». Il peut servir à des fins opposées, c'est-à-dire qu'on peut avoir de part et d'autre des gens qui se battent au nom de l'égalité. À nouveau, pour le voile, on voit bien que l'égalité homme-femme peut être opposée à l'égalité entre les musulmans ou les musulmanes et les autres. Donc, nous vivons dans cette logique démocratique, non pas simplement avec des gens qui seraient pour ou contre la démocratie, pour ou contre la liberté et l'égalité, ça peut arriver bien sûr, mais très souvent avec des gens qui disent « oui mais la liberté ça veut dire ça » et d'autres qui leur répondent « non, non, ça veut dire autre chose ». Donc la bataille démocratique, c'est pas simplement pour ou contre les principes démocratiques, c'est quel est le contenu que nous voulons donner à ces principes démocratiques, puisque ça n'est pas défini a priori, de manière transcendante, c'est défini de manière immanente dans les luttes. Il y a des luttes où on cherche à imposer le sens qu'on donne au mot « liberté » ou au mot « égalité ». Ça, c'est en quelque sorte mon travail de sociologue, d'essayer de décrire ces batailles. Par ailleurs, et de plus en plus dans les années 2000, et en raison d'une évolution politique, c'est-à-dire de dérives antidémocratiques qui caractérisent non seulement la société dans laquelle je vis, en France, mais aussi d'autres sociétés avec lesquelles je travaille, comme les États-Unis ou comme le Brésil. Donc, ces dérives antidémocratiques, ça part d'une conception de la démocratie qui n'est pas la même. C'est la démocratie libérale, au fond. Je reviens à une conception ordinaire, si je puis dire, classique de la démocratie libérale, qui est d'abord fondée sur les droits. Les droits
qui peuvent jouer un rôle très important, bien sûr, pour les femmes, mais qui peuvent jouer un rôle très important pour les minorités sexuelles, mais aussi pour les minorités raciales, mais aussi pour les étrangers, les réfugiés, les migrantes et migrants, etc. La question, pour moi, a été pendant longtemps, en fait, comme une sorte de partage entre le savant et le politique, c'est-à-dire que la démocratie sexuelle fonctionnait comme un outil sociologique et la démocratie tout court fonctionnait comme une rhétorique politique, une manière de défendre des libertés en particulier, ou de se battre contre les discriminations pour plus d'égalité, etc. Comme si il y avait d'un côté mon travail de sociologue et de l'autre mon engagement de citoyen. Évidemment, du côté de la démocratie sexuelle, ça s'accompagnait déjà d'engagements citoyens, c'est-à-dire d'essayer de se battre sur les différents sujets sur lesquels j'ai pu écrire pour plus de droits. Mais lorsque je parlais d'immigration ou autre, je restais avec un modèle de la démocratie classique, c'est-à-dire la démocratie libérale, alors que la démocratie sexuelle articule une conception libérale des droits avec une conception radicale des normes. Donc la critique des normes et les revendications des droits marchent ensemble. Pour moi, par exemple, la bataille du mariage pour tous, c'est une bataille qui n'est pas simplement celle des droits, c'est en même temps celle des normes. Et il faut essayer de penser les deux ensemble, c'est ce qui se passe avec l'extension de la logique démocratique à toutes les dimensions de la vie sociale. Le problème, c'est d'essayer de penser comment articuler la démocratie sexuelle et la démocratie tout court, si je puis dire. C'est-à-dire le concept sociologique et la revendication politique. De ce point de vue, cette difficulté théorique, elle a été en quelque sorte résolue ces dernières années, grâce, si je puis dire, au fait que les courants antidémocratiques sont devenus très souvent des courants anti-genre. C'est-à-dire que des États-Unis au Brésil, à la Hongrie, à la France ou à l'Italie, eh bien, on a vu que lorsqu'on était hostile à la démocratie tout court, on était hostile à la démocratie sexuelle. Ça n'est pas accidentel, après tout, le fait que l'Église catholique soit hostile à la démocratie sexuelle a quand même des rapports avec le fait que c'est une institution qui, manifestement, ne se soumet pas à un principe démocratique. Donc, je crois que nous sommes dans une conjoncture historique, donc dans un contexte où on peut être amené à repenser ces questions. Donc, où on n'est pas obligé de choisir entre la logique conceptuelle et la logique politique, entre une conception qui articule démocratie libérale et démocratie radicale, c'est-à-dire les droits et les normes, et une conception qui serait purement du côté des droits. Il y a un va-et-vient entre les deux. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, par exemple, si l'on prend la question des libertés religieuses, si on prend aussi la question des libertés non religieuses, c'est-à-dire la liberté de ne pas être religieux, mais si on prend aussi la question des libertés sexuelles, on s'aperçoit qu'il peut y avoir une manière de penser tout cela sur le fait, sur la base très simple, du fait qu'il est important de multiplier les libertés. Non pas d'avoir une liberté, mais des libertés, c'est-à-dire de faire en sorte que coexistent plusieurs libertés, ce qui est la condition de possibilité d'alliance politique. C'est-à-dire que c'est ce qui a été esquissé par des alliances entre des féministes et des femmes musulmanes qui n'étaient pas forcément féministes. Et je crois que toutes sortes d'alliances se tissent aujourd'hui entre des gens dont les perspectives sont très différentes, mais qui se rendent bien compte que ce qu'ils et elles ont en commun, c'est de vouloir défendre des libertés. Des libertés qui sont fondées sur des logiques très différentes, et donc on pourrait penser que ce sont des alliances contre nature, mais je crois qu'au contraire, ce sont des alliances qui sont pensées en fonction de ce contexte, de régression des libertés. Donc, à mon sens, il est très important de défendre les libertés religieuses, il est très important de défendre les libertés sexuelles, et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir faire les deux ensemble, c'est-à-dire que, par exemple, on puisse avoir dans la même salle des personnes trans et des femmes voilées. C'est une expérience que j'ai l'impression de rencontrer dans mon propre travail, c'est-à-dire que le fait d'intervenir sur des sujets différents, mais aussi d'intervenir politiquement, mais aussi de travailler sociologiquement sur des sujets différents, fait qu'il y a des publics différents, mais des publics qui peuvent se rencontrer.
Et donc, c'est l'impression qu'on n'est pas condamné à ce qu'on soit d'un côté ou de l'autre, qu'on peut essayer de faire des points de passage entre des logiques différentes. Je crois que beaucoup de gens essaient de réfléchir en ces termes depuis un certain nombre d'années. Comment faire en sorte que, si on s'intéresse aux libertés sexuelles, eh bien, on ne soit pas aveugle aux autres libertés. Et c'est très important parce que sinon, on retombe sur la question qui a déjà été soulevée, celle de l'instrumentalisation. Si on n'est pas attentif au fait que la question des libertés, elle ne s'arrête pas aux libertés qui me concernent moi, mais qu'elle s'étend à d'autres logiques de liberté, c'est-à-dire je n'ai pas besoin d'être musulman pour trouver qu'il est important que les musulmans et les musulmanes soient libres dans leur pratique religieuse. Si je ne me pose pas cette question, eh bien je suis très facilement récupéré dans une logique qui, au contraire, va considérer que les vraies libertés sont celles qui m'intéressent. C'est ce qui s'est joué autour de l'instrumentalisation de la démocratie sexuelle à des fins xénophobes et racistes, le fait que des gens ont pu fermer les yeux sur des dérives racistes, sur des dérives xénophobes, parce que ils, elles, pouvaient avoir l'impression qu'on sauvait l'essentiel, à savoir les droits sexuels. Je crois qu'il est très important de tirer les leçons de la critique féministe du marxisme. Le marxisme disait qu'en dernière instance, les questions étaient économiques. Je crois que c'est cela qui a été remis en cause, c'est l'idée même de dernière instance. Ce n'est pas le fait que ce soit l'économique en dernière instance, c'est l'idée de dernière instance. Il n'y a rien en dernière instance. Et il faut justement éviter cette logique qui reste prise, à mon sens, dans une perspective transcendante. La logique de l'immanence, c'est que, au fond, il n'y a pas de fond. Il n'y a rien au fond. Je crois que c'est ce que nous devons essayer constamment de faire, à la fois théoriquement, mais aussi politiquement. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à mon sens, il est possible de tenir les deux bouts, la démocratie sexuelle et la démocratie, précisément en gardant à l'esprit ce que je rappelais tout à l'heure, la définition par John Scott du genre, c'est-à-dire c'est une manière de signifier les relations de pouvoir. Autrement dit, le genre, ça ne parle pas que de genre, ça parle de tout. Et ce serait une erreur d'isoler les questions de genre, ce serait une erreur d'isoler les questions sexuelles, ce serait une erreur de considérer que c'est le fondement ultime de la démocratie. La démocratie sexuelle, c'est simplement l'extension de la logique démocratique. Et donc c'est à ce titre-là que c'est un enjeu tout particulier aujourd'hui, c'est un enjeu privilégié, mais non pas privilégié pour des raisons essentielles, mais pour des raisons historiques, dans la conjoncture actuelle. C'est tout cela que j'essaie de tenir d'une manière qui se voudrait cohérente, mais en restant moi-même dans la logique d'immanence que j'essaie de décrire par ailleurs. Merci. Ça va ? Ben merci beaucoup. Ah, elle a déjà dit merci, hein. Si elle redit merci, ça va faire un peu... Ah, merci, hein.